chica. ¡Hola! La petite baba, la mon toutou, hein? Elle est où? Attends, on va chercher. Oula, mais ça va, toi? Cousi, cousin. T'as des courbatures, c'est ça? Tous les coups, c'est la grippe, hein? Oh non, je suis mieux debout. J'ai eu le médecin au téléphone, il m'a dit « Prenez votre température et je passerai vers 20h. » Ah, au fait, il est quelle heure? Là, il est 18h. Oh, ça va être long. J'arrive. J'ai mal. J'arrive. Tiens, prends ça vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai demandé une boîte bleue. C'est une boîte jaune, ça. Mais non, ça n'ira pas. Une boîte bleue. J'ai noté toutes les choses à faire avec les consignes à suivre. Hein. Prends la première feuille. Tu veux pas que je prenne tout? Non. Commence avec le petit déjeuner de Madame Cholin. Je te donnerai la suite après. Hein. Alors, petit déjeuner de Madame Cholin. Bien vérifier que son thé n'est pas trop chaud. Deux tartines. Mais surtout, faire attention à... Faire attention à... Petit déjeuner, Madame Cholin. Carl, le pitbull de Madame Cholin. Au revoir, Madame Cholin. Au revoir, mon petit Carl. T'as raison de le mettre dans la bouche. C'est quand même plus hygiénique. Hein. Ah bah oui, de toute façon, j'allais pas le ranger sans le nettoyer. Hein. Waouh. J'ai un mal de tête là depuis une heure. Et ça passe pas. Hein. Je sais plus quoi faire. C'est normal, t'as vu ce que tu fais? T'as un truc contre le mal de tête là? Essaye ça pour voir. Oui, et fâché contre Monsieur Patate. Alors c'est mieux? Ah, essaye, ça commence à se dégager là. Mais tu vois? Mais Monsieur Patate n'est pas du genre à se laisser faire. Et subrepticement. Oh, ça y est, ça me relance là. Bon, Samantha, tu vas pas rester toute la journée collée à la cheminée. Ah, si. Y a que là que j'ai chaud. Écoute, c'est pas normal, t'as vu comme t'es couverte? Allez, viens, bouge. Oh non, ça va pas du tout, là. Oh. À chaque fois que je m'éloigne de la cheminée, là, j'ai des frissons dans le dos, là. J'y retourne. Alors, ça va mieux? Ah, mais non, j'ai toujours mal partout, là. Tu prends bien ton traitement, au moins? Je suis en train, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pas des suppositoires dans l'eau? Ah, si, c'est indiqué, là. Mais non, tu t'as interverti les modes d'emploi. Ça, c'est celui des cachets effervescents. Ah, d'accord. Ah, tout s'explique. Ne dis pas que... C'est le maire. C'est gentil de nous rendre visite. Bonjour Samantha. Chantal, viens voir, il y a monsieur le maire qui est là. Bon, allez, on se dépêche là. Mettez-vous en slip. Enfin, en petite tenue, s'il vous plaît. Enfin,
seule mère, enfin, je veux dire, on ne se connaît pas si bien que ça, hein, enfin, je veux dire... Vous mesurez combien, Samantha? Ah ben, je mesure 1m70 du haut de mes trois pommes. La couleur de vos yeux, s'il vous plaît? Alors, mes yeux sont marrons, mais attention, hein, l'été, ils sont verts. Je vous ai pêché parce que j'aurais bien aimé m'occuper de Chantal aussi, moi. Ah! Ah bon? Enfin, je veux dire... Et j'aurais préféré m'occuper des deux à la fois parce que j'ai pas que ça à faire, hein. Faut que je me tape tout le club de majorettes. Je sais pas si vous les connaissez, mais elles envoient du bâton, hein. Inspirez. Expirez. Inspirez. Bloqué. Excusez-moi. Allô? Oui. Je suis en consultation. Je suis en consultation. Je... Hein? Mais je sais pas, moi. Écoute. T'as regardé dans le tiroir de droite? Non, le tiroir de droite. Droite, on a dit la suite. Oui. Regarde, je me suis acheté un nouveau pull, comment tu le trouves? Tiens, je vais vous demander d'aller faire pipi. Ok, très bien, j'y vais. Samantha. Oui. Vous oubliez votre petit pot. Oh non, ça ira. Hein. Bon, je sais qu'on est à la campagne, mais on est quand même un petit peu moderne ici. Hein. On a des toilettes. Hein. S'il vous plaît. J'y vais. Bah. Alors, oui. On va faire un petit exercice de réflexe, Samantha. D'accord. Ok. Tiens, c'est bizarre, ça. Hein? Vous avez les réflexes inversés, Samantha. Ah bon? Oui. Hein? Regardez. Hein. Regardez cette jambe-là. Oui. Hein? Alors, je note. Les réflexes sont parfois inversés. Oui. Parfois... Non. Non. Ok. Non. Ah. 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 Bon. Je crois que tout va très bien, Samantha. C'est parfait. Non, mais ça va là. Ça suffit. Bon, excuse-moi. Oh, monsieur, voilà. Hein? Ne bougez plus. Oh, 33. Tiens la langue. Encore. Je t'ai fait voir. Permettez, ne bougez pas. Tu es mon doigt? Mais c'est vrai, c'est... Enfin, qu'est-ce que j'ai? C'est grave. Dites-moi, quand même. Enfin, j'ai le droit de savoir, moi. Hein? Mais j'ai le droit de savoir, je veux savoir ce que j'ai. Je vais vous le dire. Hein? Vous le faites penser à quelqu'un, mais on sait pas à qui. Ça fait... J'ai réfléchi, là, je... Je percute pas le truc, là. C'est pas vrai. Maria Pacôme. Ah, Maria Pacôme. J'aurais dit plutôt Marlo Brando. Allons-y, allons-y, c'est le tirage de la grande tombola. Attention, je lance la roue. Alors, le gagnant de cette magnifique peluche est le numéro, attention, suspense, 200. J'ai moi, regardez. Eh ben, c'est vous qui gagnez, hein. Vous avez une sacrée chance, vous, hein. Tenez, regardez. En plus, j'ai plein d'autres billets. Hey. Restez donc, oui, pour le prochain tirage. Il y a un magnifique porte-clés à gagner. Non. Et je sens bien que le ticket 500, il va sortir.
Madame, si vous pouvez me rajouter un petit peu de sucre sur mes chichis. Et bien sûr. Merci. Un peu de sucre sur les chichis tout chaud. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Regarde ce que je vous ai apporté toutes les deux. Ah. Bon, alors comme tu me devais 2 euros et que t'as payé les boissons, je te dois 80 centimes. Samantha, pas de chichis entre nous. Ah bon, t'as raison. Tu t'es mis au bisboqué? Oui, c'est un gamin qui me l'a donné. Bah dis donc, je sais pourquoi il en voulait plus. Hein. C'est super compliqué, ça. Non, mais ça, c'est normal, c'est parce que t'as pris un bas de gamme. Je viens d'en acheter un. Je peux te dire qu'avec lui, je gagne à tous les coups. Ah ouais? Démonstration. On commence tout simple. Ma gauche, ma la plus faible. Les yeux fermés. Non. Bouge un petit peu. Attention. Impressionnant, là. Salto arrière, balancé avant. Alors, vous avez 2 bassines avec 3 pommes. La première qui termine gagne la grosse pelouche. Attention. 3, 2, 1, passez. A plus soin, Samantha. Attends, on se barre comme des folles ici. Tu m'étonnes. Oh, attends, regarde, on essaye. Attends, bouge pas, tiens pas ça. Bonjour, c'est combien ici? 5 euros. Ok, très bien. S'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Gagnez la grosse bouteille. C'est combien? C'est 300 euros. Bingo. Excusez-moi, je vais tenter un autre coup. Pardon. Vas-y, Chantal, essaye. Oh, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais la grosse, grosse. T'es nul. Je suis désolée. Attention. Ah ça. Oui, oh, ça va. Le panier garni. Vous devinez le poids, vous le gagnez. Allez, madame, ça vous fait combien de kilos? Bah, je sais pas, je... Ah, vas-y, attends, je vais te dire ça tout de suite. Alors, on a des œufs aux pâtes, ok. Des gâteaux au chocolat. Des rillettes de porc. Ok, pour toi, ça fait 4 kilos. Ah. Et directement dans tes fesses. Hop. Excusez-moi, monsieur, dame, je cherche le stand avec les bouts et des petits anneaux qui vont dessus. Samantha, ce... Oui. Je vous ai acheté des hot-dogs. Des quoi? Des hot-dogs. Hein? Chien chose, tu préfères? Ah, d'accord, excuse-moi. Ah, dis-moi, est-ce que c'est possible, tu crois, d'avoir une autre partie du chien? Mesdames et messieurs, c'est 2 euros à tous les coups, on gagne. Eh, hey, madame, 2 euros pour un coup, c'est pas cher. Ça lui froidit bien, elle. J'ai une de ses chances aujourd'hui, moi. Ah, madame Samantha, comment ça va? Bonjour, Daniel. Eh, hey, c'est 2 euros et à tous les coups, on gagne. Oui, oui, ça, je sais, hein, c'est bon. Hop. S'il vous plaît. Merci. Hé, hey, de ça. Décidément, on a que des bonnes occasions ici, hein, c'est le kermesse. Préparer un manège entier pour 2 euros seulement. Tu viens? Elle m'énerve. Dis-moi, c'est toi qui as la barbe à papa? Non, malheureusement, j'ai plutôt la moustache à maman. Chantal, moi aussi j'ai une moustache. Décidément, j'ai une chance bordée de nouilles aujourd'hui. Et maintenant, le joli ballon vert. Oh, attends.
Attends, tire plutôt sur le bleu, regarde, il bouge un peu moins. Ah non, 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 des bleus, j'en ai déjà plein. C'est gentil. Voilà, le joli vert. Et maintenant, le joli brun. Bon bah alors, vous l'ouvrez votre stand? Bon ça va, deux secondes, non, je peux terminer quand même. Bah alors, c'est pas possible. Voilà. Allez, on veut jouer. Oh, c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Et le 12. Allez, c'est parti. C'est parti, 2 euros là, parti, 2 euros, c'est parti. Samantha. Qu'est-ce qu'il y a? Sale journée. Les gens, ils ont remporté tous les lots. C'est simple, à chaque fois qu'ils jouaient, ils gagnaient. Ouais, et puis à force de ramasser toutes les boîtes toute la journée, tu dois être crevé, non? Oh non, non, ça, ça va. Pour ça, j'ai un truc. Hein. Ça, c'est... Oui, bah écoute, il y a des jours avec et des jours sans, quoi. Oui, c'est ce que je me dis. Ouais. Oups! Oh, j'ai tiré le ballon rouge. Qu'est-ce que j'ai gagné? Un ours en peluche. Ouais. OK. J'ai tiré le ballon bleu. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une montre en plastique. Ouais. Ok. J'ai tiré le ballon multicolore. Qu'est-ce que j'ai gagné? Un gros pony en osier. Oh. Par contre, pour le tour en montgolfière, tu pourras repasser. Regardez mon pénis russe. On se les fait? Ouais. Un peu violent, non? Oh, moi, oh, j'ai pas trouvé. C'est bon, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ben rien, pourquoi? Tout est normal. T'as mis du parfum? Oui, enfin, comme d'habitude, quoi. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, là? Ah d'accord. C'est pas parce que Monsieur Jean-Marc Morandini agite aujourd'hui, quand même. Ah, c'est aujourd'hui? Tu sais, Chantal, je sais pas pourquoi tu fais tout ça. Hein. Après tout, c'est quoi? C'est juste un animateur radio. C'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire, Chantal. Restons simples. Ah, il est là. Pardon. Bonjour, vous avez une réservation pour Monsieur Morandini. Excuse-moi, c'est bizarre, mais je l'imaginais pas du tout comme ça, Morandini. Figure-toi que moi non plus. En même temps, on l'a jamais vu, vu qu'il fait la radio. Bon, ben, vous avez fait bon voyage. Oui, merci.
Bon, je vais devoir vous laisser. Ah bon? Vous restez pas? Non, c'est fort gentil. J'ai beaucoup travaillé. Ah? Bon, ben, c'est pas grave. Je vous retiens quand même la réservation. Je vous enverrai la facture, d'accord? Bon, ben, merci d'être venu au gîte à Samantha et à bientôt. Oui, bonjour, monsieur Morandini. Bah, il vient juste de partir, là. Vous l'avez loupé de peu. Oh, soyez pas trop déçus non plus d'avoir loupé, hein. Il va forcément revenir, il a oublié ses bagages. Allez. Voilà, voilà. Et voilà. Excusez-moi, Chantal. Allô? Oui? Non, mais je te rappelle. Je te rappelle à plus tard. Désolé. Dis donc, vous pouvez me dire... Ah, pardon, décidément. Allô? Oui? Non, non, mais posez ça sur mon bureau, il n'y a pas de problème. À plus tard. Je suis vraiment désolé. Hein. Non, non, mais je comprends, vous êtes quelqu'un de très occupé. Est-ce que vous pouvez me... Pardon. Allô? Oui? Oui? Non, ah, j'ai un double appel, pardon. Allô? Oui, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez me dire stop? Pardon? C'est Chantal. Est-ce que vous pouvez me dire stop? Merci, Samantha, faut en refaire. Vous savez que j'ai lu tous vos DVD, hein? Ah oui, oui, oui. Samantha? Oui? Je peux vous faire un compliment? Oui, bien sûr, oui. Vous avez de très beaux yeux. Oh. Je peux aussi? Oui. J'ai de très beaux cheveux aussi. Beau parcours. Oui, très bien, merci. Dites-moi, Morandini, c'est bien un nom italien? Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous ai préparé des pâtes à la bolognaise. Oh, bah, c'est gentil, c'est mon plat préféré. Vous êtes vraiment une mère pour moi. Arrête de parler, mange la pasta. Mamma mia, non, posso più. Depuis 6 heures du matin, je suis dans la cuisine, tu m'entends? Depuis 6 heures du matin, tout ça pour te faire plaisir. Regarde comment tu es maigre. Allez, mange la pasta. Ah, parce que pour l'amener des copains à la maison, ça, tu sais le faire. Mais pour faire une famille et des beaux bébés, là, il n'y a plus personne. Et puis c'est quoi le métier que tu fais, là? Parler à un micro, c'est un métier, ça? C'est un métier, ça? Bellissimo! Sì,